T'en fais trois, j'en fais trois. Non, vous vous concertez et vous dites en même temps. Un, deux, trois. Soleil. Alors juste, rappelez-nous les titres. Web TV Show. Web TV Show. Web TV Show. TV Show. Web TV Show. Vous avez compris. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est pour Web TV Show, nouvelle émission, nouveau système de diffusion. C'est quelque chose qui a été créé pour la rencontre Interpage, donc on n'a que des jeunes qui sont à ma droite et à ma gauche. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour, donc je vais vous laisser vous présenter, on va commencer par ma droite et on va aller vers ma gauche. Alors, allez-y, présentez-vous. Zoé. D'accord, tu es en quelle classe ? Quatrième. D'accord. Ensuite, on a Charlotte. Et tu es en troisième. D'accord. Ensuite, du coup, à ma gauche, on a Malia. Et tu es en cinquième. D'accord. Et après, on a Clarisse. Et tu es en cinquième. Ok. Bon, alors, on a que des collégiennes. Donc, franchement, pour les questions, ça va pas être trop compliqué. Non. Franchement, non. Ça devrait être facile. Ça devrait le faire. Alors, donc, je vais vous poser des questions de culture générale qui vont de la CM2 à la catégorie adulte. La première équipe qui a 6 gobelets remporte la partie. Est-ce que vous êtes prêtes ? Et pour répondre, il faut buzzer avec les petits buzzers qui sont en face de vous. Et il faut vous concerter, bien sûr, avant de répondre. Alors, on va commencer par une catégorie CM2. À Tahiti, qu'offre-t-on ? En signe de bienvenue. Un collier de fleurs. C'est une bonne réponse pour l'équipe des filles. Comment tu sais ça? Bah au moins c'est bien, c'est pas trop compliqué. Alors, on va poser ce coup-ci une question de catégorie adulte. Dans quel pays fut créée au 18e siècle la race de cheveux pur sang? Ça existe ça? Pur sang. Oui. Oui. France. Non. Pur sang, c'est pas français. Ce n'est pas la France qui l'a créé. Oui. Italie. Non plus. Oui. Allemagne. Non. États-Unis. Non. Amérique latine. Non. C'est pas un pays d'Asie. Amérique du Nord. Non. Italie. Non. Ça a déjà été dit. Belgique. Non. En Inde. Non. En Afrique. Non. C'est pas un pays. C'est en. En Australie. Non. Alors. La Russie. Non. Alors, c'est autour de la France. C'est dans un pays qui est autour de la France. Belgique. Non. Paris. Espagne. Non. Grèce. Non. Portugal. Non. Angleterre. Italie. Non. Non. Irlande. Non. Et vous êtes pas loin. Vous en. Pays de Galles. Non. Vous en. La Suède. Non. Vous en rapprochez. Vous étiez pas loin avec l'Irlande. Pologne. Non. Il n'y a pas une carte géographique. Non. Quoi? L'Allemagne. Non. L'Écosse. Non. La Grèce. La Grèce. Non. Non. Mégane. Non. C'est pas un pays. Non. Là, un pays qui est pas loin de la France, qui est autour de la France. Paris. Autour de la France. Non. Angleterre. Oui. Oui. Je l'ai dit. Ah bon, j'ai pas entendu. Donc c'est l'Angleterre. On l'avait dit. Vous n'avez pas dit Angleterre. Ah si. Non, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Il faut buzzer, comme je l'ai dit, il faut buzzer avant de répondre. Dit, on l'a dit. Voilà. Ah, vous l'aviez dit, mais je n'avais pas entendu. Alors, merci Lali. Donc, on vous laisse le point. Non, t'es folle, toi. Alors, ça, on l'étège. Tac. On va prendre une nouvelle question. Catégorie adulte. Allez, soyons fous. Qui a été la compagne de Jean-Paul Sartre de 1929 à sa mort et en 1980? C'est qui même? Marie-Antoinette? Non. La reine d'Angleterre? Non. La question, c'est qui? Oui. C'est qui? Alors ça, c'est une question que vous allez voir en histoire. Non, mais arrêtez, non, je ne rigole même pas là. Non. C'est Charlemagne. Non, c'est une dame. On peut redire le nom? Ah mais oui, c'est vrai. On peut redire alors, le nom du... Je répète la question. Qui a été la compagne de Jean-Paul Sartre de 1929 à sa mort en 1980? Il faut dire des noms là que personne ne connaît. C'est une dame. Mais waouh. Mais si on avait étudié sur ça, l'impératrice. Non. Alors, s'il faut, Pierre, si vous n'avez pas la réponse, on passe à la catégorie CN2. Non, on l'aura bientôt.
Non, je suis désolé, je n'accepte pas le point, car on a une tricherie au niveau du public. Non. Je ne donnerai pas le nom de la personne, mais cette personne se reconnaîtra. Hein? Moi, je sais pas si c'est. Non, non, hein. Sébastien, hein, on sait que c'est toi. Alors, ça c'est vraiment une question adulte, mais c'est pas du tout compliqué. Là, ça va être au plus rapide. Ouais. Comment savoir rapidement si un nombre est divisible par 9? Bah non, mais les mathématiques. Fois 9? Alors. Non, c'est pas x9. Dans la table de 3, x3. Non. x7. Ah oui, il y a un truc. 18. Non. Racine carrée. Non. Alors, je répète la question. Comment savoir rapidement par 3 si un nombre est divisible par 9? Par 3? Non. En gros, genre, c'est un nombre à deux chiffres, faut les additionner et si c'est dans la table de 3, c'est bon. Non, c'est pas que dans la table de 3. Alors, non. Table de 6 aussi. C'est dans la table de 9. Alors, je vais accepter dans la table de 9, mais la réponse précise était sa somme doit être divisible par 9. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est pareil. Je me souviens. C'est pareil, c'est pour ça que je vous accorde le point. Donc il y a 2 à 1. Ça c'était ici. Hop, on va prendre en face. Et je dis bonjour aux personnes qui nous regardent sur Facebook. Et les qui? Qui sont au nombre de 2. Allez, franchement, là, c'est très facile. Quelle substance explosive a découvert Alfred Nobel? C'est qui, lui? Non. Une substance explosive, je rappelle. Nucléaire? Non, elles l'ont déjà dit. Ah, merde. Éclair? Non. Une bombe? Non. J'accepte pas bombe. Explosif? Non, alors, quelle substance explosive? Ah, fusée. Non, une substance explosive. Quelle substance explosive a découvert Alfred Nobel? C'est qui Alfred Nobel? Bah, c'est son nom de famille. Eh, ça souffle les réponses là-bas. Hein. Non. S'il vous plaît, en public, s'il vous plaît. Alors, je vous donne, si vous voulez, la première lettre. Ça commence par un D. Par un quoi? Par un D. D? Oui. Dynamite. Il fallait buzzer, mais c'est effectivement la dynamite. Ah non, mais sans doute. Hop, un nouveau gobelet. Elles sont trop grandes, hein. Alors. Essayons, on commence à prendre le CM. Allez, on va parler un petit peu. On va passer en CM2. Ça vous rappelle votre poterie primaire. Ouais. Quel roi fut guillotiné pendant la. Louis XVI. Révolution, elles ont dit la bonne réponse et c'est effectivement Louis XVI. Elles n'ont pas attendu la fin de la réponse. Oui, mais elles ont donné la bonne réponse. Moi, j'avoue, alors, il fallait attendre que la question finisse. Les premiers rails. Premier quoi? Les premiers rails datent-ils du 15e, du 18e ou du 19e siècle? 18. Non. 14. 15e siècle. C'est une bonne réponse, mais normalement, ça aurait dû être aux filles de donner une réponse. Dans tous les cas, j'avais dit 14. On ne pouvait pas faire 14. Alors, on a 4 gobelets à 2. Il vous manque 2 pour les filles, vous l'avez remporté. Attention, là, va falloir répondre très vite. En quelle année le président Kennedy a-t-il été assassiné? Oh, je le savais. 18e siècle, je crois. Non, c'est Il faut donner une année et il faut buzzer. En 1830. Non, plus tard. 1900. Ouais, non, je sais pas. T'es dans la bonne. T'es dans 1910. Plus. 1950. Plus. 1970. Moins. 1985. Ah, dites la même réponse. Il me faut une réponse. 1955. Plus. 65. Moins. 60. Plus 62. Plus. 63. Alors, non. 64. Plus 64. Moins 63. Wow. Bravo. Alors, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Plus qu'une réponse et les filles l'emportent. Il faut vous rattraper. Alors. Non. Bah, du coup, des adultes. Bah, franchement, pour la dernière, je me demande si on va pas faire une question comme ça, une question aussi simple. Alors, là,
il va falloir répondre très vite. En Formule 1, de quelle couleur est le drapeau qui annonce la fin de la course ? Noir et blanc. C'est une bonne réponse de la part des filles. Et je déclare les filles vainqueurs de ce quiz de culture générale. Bravo à vous. Alors, les filles, vous allez rester pas trop loin. On va faire encore une autre équipe. Et après, du coup, on va faire la demi-finale. A tout de suite. On enlève le truc. Et moi, comment on enlève ? Alors, attendez. Ouais, petit chaud. Web TV Show, TV Show, Web TV Show.